Je vais mettre le blanc. Allez, on peut enlever le blanc. Ah, c'est ça. Tu mets tout, non? Oui. Mais un peu plus d'aimer. Ça, c'est une bouteille qui me restait. J'en ai pas racheté 2 litres parce que après, tu en restais tout le temps. Et j'avais ce qui me restait. Ça y va très bien. Merci. Hein? Et croque la l'eau. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ça va? Tu te retournes, toi. On monte en haut. Alors là, attends, ça, il faut que ça soit ici. Attends, bouge pas. Ah oui, voilà. Oui, mais... Ah, ma fille, t'as fait bon. T'as combien de pixels, ton appareil? Il arrose, chef. Ça va comme ça, Pierrot? Ah, c'est bien. Oui, oui. Et puis, mais par contre, il y a un truc, il y en a un qui t'annonce. Oui, il y a quelqu'un qui t'annonce. C'était le plus bon, c'était le meilleur. Ah, tout le temps. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Allez, coucou. Il faudrait qu'on aille chercher le rosé. Oui. Parce que j'ai peur qu'il gèle puis qu'il paillette. Oh va Dieu, c'est vrai, Jean. Après, peut-être, Jean. Jean, il a combien le congèle là? Alors il a combien le congèle? C'est quoi ça? Ah. Alors, on commence à se défaire les couteaux. Et il y a des couteaux aussi qui sortent. Évident, pour le moment on est une vingtaine, il en manque encore 40. Et toujours tout ça et on n'a rien à voir, toujours. J'ai eu la chance avec moi. C'est pas frais encore. Il l'a eu il y a 2 ans aussi et puis 2 ans après. Ils aiment bien me dire vers moi. Une bête, le Jeannot. Il y a des patates. Ils vont être cuits là. C'est toi le quoi? Le cake. Le cake. Le cake. Gérard, c'est trop tard, hein. On a bu l'apéro. Hein. Association pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. À l'unanimité de ses membres, attribue à Michel Boitron, ayant contribué par son dévouement, sa disponibilité et sa probité à la pérennité de l'association, il présida durant 33 années le titre de président d'honneur. Et en reconnaissance, je déclare digne de tous les honneurs, droits, privilèges liés à cette distinction. Fait par le président et les membres de l'association. Bravo. Bravo. C'est peut-être pas mérité. Et je dirais qu'une chose, c'est que je n'ai qu'un regret. C'est de ne pas avoir suivi les cours de l'école universelle. Plutôt à M. Legendre, parce qu'il a fait un autre travail que moi. Si, 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 vous avez fait un travail. On a suivi. Nous, on voulait. On a eu le plus gros travail, c'était de rapatrier les riverains qui étaient partis dans une société. Mais vous faites un travail phénoménal. Et j'aurais dû vous laisser ma place plus tôt. S'il avait su que ça pouvait vous intéresser, parce que jamais vous n'avez fait un geste pour dire qu'il y a... Alors, voilà. Alors, merci, et puis... Voyez que je suis très touché. Parce que, vous voyez, vous êtes entouré de gens qui vous ont tout le temps accompagné. Ben oui. Et qu'on travaille avec vous. Donc, je ne voyais pas pourquoi il fallait changer de cap. Le cap a été maintenu et j'espère que le cap durera assez longtemps. Je m'étais dit qu'il faut laisser la place aux jeunes. C'est ce qu'on a fait. Voilà, et ça, ça. Allô, il va faire tout seul, il va faire tout seul, il va faire tout seul. Je vais vous dire,
Ça m'énerve ça, hein. On est bien quelque part. Ah, oui, oui. Ça fait un peu la clim, quoi. Sur la photo, ouais. C'est un fou d'ailleurs. Ah ouais, c'est... Faut pas dire des bêtises. Non. Voilà. Ton mari. Voilà. Merci. Là, je pense qu'elle est allée, mais bon, je préfère l'ennui. Elle doit être à 45 à tôt. Donc c'est joli, hein, pour le Nord. Et là, j'ai semé un C'est un morceau comme ça par personne, non? Oui, oui. Ben, normalement, pour l'Henri, c'est gros, hein? Non, pas toi, je parle d'ancien. Bah oui, 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 il est bien réveillé. Ah bon, ça va? Oui, oui, ça va. Et puis gros plan sur la médaille. Ah ben, un zoom. Non, ben là, je pense que la médaille. Pleure cette terre, pleure d'ouvriers et pleure de paysans, car les bandits qui s'en causent à des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême fit un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Maintenant, il y a des vignes et du pou du raisin qui boit là, ce vin-là, boit les larmes des copains. Non, pas vraiment. Oui, j'ai fait des trucs. Si vous le donnez. Oh, mais c'est le dodo. Je suis le maire. Je suis le maire. Ah, j'ai deux beaux numéros, là. Mais non, on est deux bons numéros, tu dis. Hein? Les meilleurs. Ah, après la soupe du chien. Nous sommes des musiciens et nous jouons de la guitare. Pignou, 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 piano, oh, ta 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 ta
Louis, il a laissé sa valise à un client, à une soirée, il m'a rappelé. Il est reparti la chercher, manque de peau, il n'était pas, et la valise allait être chez moi. Pêcher à 8 ans, au bord du canal ou bien la vie. Non, mais j'étais dans l'église, mais moi je suis né au bord du canal. Je sais, je connais. Au bord du canal. Je connais. Rougeron. R-O-U-G-E-R-O-N. Ça finit comme con, mais ça est Rougeron. Mais le. C'est l'artiste. Je peux pas être au four ou au moulin. Monsieur et Monin. Voilà. Monsieur et Monin. Oui, t'as raison. Mais comme dit ma mère, il dit ça y a plus que les paroles que t'as chantées. Alors, il fait. Juste une parenthèse. J'ai fait ce que j'ai dit. Un grand fond sur la mer. Je fais ce que j'ai dit. C'est Danemark. Non, mais attends, on fait une pute de 30. Mais t'en viens à ce que je te dis. L'esprit surdensitaire, quand on a des amis, ça s'appuie. C'est pas un dindon, c'est pas de leur faute. C'est péjoratif vis-à-vis de la suite. Les dindons. Les surdensitaires. Vous rigolez avec ça. Ça veut dire que c'était surdensitaire. Elles allaient se bagarrer pour bouffer. Donc elles pouvaient bouffer les petites truites, elles livraient. Et puis elles bouffaient ce que les autres voulaient bouffer. Donc une truite surdensitaire, ça disait bien ce que ça voulait dire. Un carnassier. Je l'ai pas inventé. Un carnassier. C'était dangereux comme appellation. Elle était en surdensité par rapport à la capacité de la rivière. Une petite visite au ruisseau des Angles. Non, c'est l'eau. C'est le fond. C'est le fond. Quatre. Ah, ça a augmenté. Ah, oui, mais elles sont belles. De 28 à 30. Ah bon, t'as vu là? Ouais. Et ben donc il y en a d'autres. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Oh. Monte au milieu de la source là. Ouais. Je sais pas si j'irai à pied là-dedans. Ah, pas sûr. Tu peux recommencer ton explication? Je sais pas. Attention, fusil. Tu vas être licencié toi. On va appeler Jean, c'est Jean.
Mais Jean, faut qu'elle soit gentille avec toi, on va te travailler souvent. Oui. Voilà. Et toi, lui, Gigi, il est pas fait, tu vas en profiter. Hein. Ils vont mettre le paquet, hein, je te promets. Ah oui. Et demain, on va te mettre sous pression. Je vais tout seul le long de la rivière. Mais non, ça tes copains. Je vais être bien demain tout seul avec ma goule. Même s'il n'y a rien au bout du fil, je vais tenir la goule, je vais pêcher comme ça. Tu vas tenir quelque chose demain, parce qu'on vient là. Tiens, elle est sortie. Elle est sortie, elle est rentrée. Elle a fait un tour. Elle a pris peur. Elle a dit, oh, c'est pas le moment de se montrer. Hop, ça y est. Il n'y a pas ton filet ? Non. Ouais, la chose de chat. Elle est là. Il y en a deux. Il y en a deux ici. Qui 14, 15. Ah, quand même. 15 et demi. Et c'est une de cette année ? L'année dernière. Hein ? L'année dernière. L'année dernière ? Je suis une qui est restée. Ah, mais l'avantage, toi, t'as besoin de plus tête comme ça, tu les touches pas, tiens. Comme elle est belle. On va connaître.